Qu'on appelle le premier. Qu'on appelle le premier. Qu'on appelle le premier. Dans les commentaires, ça dit quoi sur YouTube? On appelle les premiers ou pas? Ça donne quoi dans les commentaires? On appelle le premier ou pas? Dans la salle, je ne vais citer que les premiers. Et les trois autres, nous allons découvrir les classements sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Jamais! Mais en fait, si je cite les premiers, ça sera la fête. Ah! C'est compliqué d'avoir votre avis, hein, les publics. Finalement, vous voulez quoi? Les quatrièmes? Oh! Vous ne voulez plus les premiers? Dans les commentaires, on demande qu'on gagne les temps. Donc, on va appeler directement les premiers. Sincèrement, tous quatre tels qu'ils sont, ils sont méritants. On est d'accord. Baïve, Jules, qui lui-même pleure et nous a fait pleurer à plusieurs reprises, la première place. Ce soir, à l'issue de la compilation de vos votes et des notes du public, les premiers de cette première saison de Maja Bourafiki. Les grands gagnants de cette première saison, Maja Bourafiki, les grands gagnants de cette première saison, Maja Bourafiki et Injoel Mulukou. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois de plus pour Injoel? Je vais inviter tous les autres Rafiki à nous rejoindre sur ces stages. Merci beaucoup. Merci, Excellence.
les fêtes qui règnent déjà ici à Pamonia et j'espère que vous également dans vos maisons. Mais qu'à cela ne tienne, je vais tenir ma promesse et on va annoncer les autres places, n'est-ce pas? Et le quatrième, et pas des moindres. Alors on applaudit très 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 fort. Et s'il fallait attribuer une place zéro, la toute première place, avant même celle d'Injoel, mesdames et messieurs, elle revient à vous, cher public. Vous avez abattu un travail extraordinaire. Merci pour votre soutien, Madia Bourafiki. Merci pour votre accompagnement. On se retrouve la saison prochaine et que Dieu vous bénisse. On ne peut pas se séparer ainsi, nous allons continuer l'ambiance après. Mais avant que l'on ne se sépare, je vais demander aux 8 de rester sur les stages. Les 8 qui sont retenus par Mahjabou Gospel, je vais leur demander de rester sur les stages. Et je vais inviter les 8, on va garder les 8 sur les stages. On va prier et ensuite, nous allons continuer à fêter. Bonne année 2024! J'aimerais, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Vous allez m'accompagner dans la prière que je vais faire pour ces enfants. J'étais là le premier jour des auditions. Je n'ai pas vu tous passer par les auditions, mais la plupart d'entre eux, on va parler au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Tu nous as accompagnés depuis le premier jour jusqu'à ce que nous arrivions ici. Nous avons reçu beaucoup de messages prophétiques de plusieurs personnes à Kinshasa, à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, disant qu'à la fin, avant la fin de la compétition, l'ennemi est en train de préparer des coups contre ses enfants. Éternel, nous les avons comptés, aucun d'eux n'a manqué. Nous les avons comptés, aucun d'eux n'est mort. Et pour ça, nous te disons merci. Ce n'est pas parce que Mahjabou est bien organisé, non. C'est parce que ta main et tes yeux étaient fixés sur chacun de ces enfants et tu n'as pas permis que l'ennemi puisse les prendre. Seigneur, au-delà de tout, j'aimerais te dire merci pour le don que tu as fait à ces enfants. Je ne pense pas qu'il y a un enfant ici, ni lui, ni ses parents pouvaient imaginer un jour que le don de chanter pouvait lui payer les Minerval de l'université. Il n'y a aucun parent.
Seigneur, je te dis merci pour le don. L'un d'eux, je ne citerai pas son nom, le jour de son audition, c'était un jour plein d'émotions. Il nous a dit qu'il venait à peine de perdre son père. Et avant de perdre son père l'avait dit, lui avait dit, va à cette compétition. Seigneur éternel, toi le Père, j'ai entendu quelqu'un dans la foule dire, le Père des orphelins. Osana banzela na yo ole ke la rapona ko sala biso bolam. Osana ba moyen na yo sala la rapona ko zwa biso en charge. Merci pour na opesa bano ma kokia koyemba. Lelo ma kokia koyemba zo foute la bango classe. Tozo pesa yo merci. En te disant merci, nous te demandons au Seigneur, toi qui as déposé ce don dans leur vie, préserve-le. Préserve ce don. Comme papa Mike le disait il n'y a pas longtemps, il a dit, et il a pensé à ce qu'on a dit à Saül de David. Et il y a une chose qu'il n'a pas dite. Quand on a dit à Saül, on a dit non seulement que David savait jouer, mais une autre chose qu'on a dit de lui, c'est que Dieu était avec lui. Seigneur, au-delà des talents, je te prie que tu sois avec ses enfants. Les hommes de Dieu sont passés, en ont fait comme de souhaits, comme des conseils. Le pasteur Marcelo l'a dit, maman Mariam l'a dit dans son discours. Seigneur éternel, fais grâce que ces enfants ne se perdent pas, qu'ils ne deviennent pas grands à leurs propres yeux, Seigneur. Qu'ils restent toujours entre tes mains, comme maman Sandra pouvait le dire pour une Joël, qu'ils ne se perdent pas comme l'un de ceux qu'on a vu se perdre un jour. Pas seulement une Joël qui est lui d'ailleurs, qui devient le symbole de Rafi qui en pour cette première édition. En faisant cette prière pour lui, je prie pour tous les autres. Nzambe bate la bango, garde-les, protège et préserve-les. Je te prie pour nos familles, les familles de ces enfants. Que chaque famille comprenne le don que tu leur as fait. Et que chaque famille, qu'à chaque famille tu donnes la sagesse de garder, de préserver ce don pour l'humanité, pour cette génération. Je ne peux pas ne pas prier pour tous ceux qui ont travaillé dans cette organisation. En commençant par les ambassadeurs.